Il y a Québec qui veut sauter. Bah oui, bah, c'est sûr, dis-moi, mon cul qui back pas, gros, c'est sûr à 100% il back, à moins qu'il y ait 0 perles. Il est sur sa gueule. Il était plus un eux. Ça veut dire qu'il va drop, gros, il va drop. Wesh les moches, c'est Kitkat, on se retrouve pour notre première vidéo sur Krakozia. Comme vous le savez sûrement les mecs, moi et ma fac, ça fait un bon moment qu'on est venu sur Krakozia en fait, donc on défonce un petit peu le sort, comme vous allez voir, on est deuxième classement, et on va probablement bientôt passer premier, hein. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour trap un full Krako, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, donc avec une nouvelle technique de trap, en gros, c'est très simple qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez sûrement pas comprendre, parce qu'en gros, j'ai dû utiliser Windows G pour record mon écran, en fait, c'est un truc pour revenir en arrière, bref, c'est assez compliqué, mais du coup, au début du record, il y aura pas mon micro. Ce qui se passe très simple, c'est que j'étais AFK dans mon AP, donc j'étais en train de faire d'autres trucs IRL, bref, on se faisait chier le soir parce qu'il y avait pas trop de PVP. Et j'étais FK avec mon sabre, donc c'est l'épée légendaire du serveur, et puis il y a un full Krako qui m'a sauté dessus. Donc au début, j'ai un petit peu paniqué, j'ai commencé à me full heal et tout. J'ai back dans mon AP, donc la deuxième partie de l'AP, et puis le mec m'a suivi, puis bref, vous connaissez probablement la suite, mais je vais vous laisser ça juste après découvrir ça dans le record. Bref, une petite technique de trap, en gros, vous FK dans votre base, dans votre AP, et puis les mecs vous sautent dessus, et puis surtout moi j'avais mon sabre dans ma main, ben voilà, c'était encore plus tentant pour les mecs. Après le truc, c'est que moi je voulais pas le trap en fait de base, j'étais vraiment FK, mais bon, vous utilisez ça comme une petite technique. Bref, sinon vous me connaissez encore une fois un concours, donc je vais gagner 750 PB sur Krako. Donc pour participer, il serait simple, faut liker, s'abonner et puis commenter vos épisodes sur Krakozia et puis résultat dans la prochaine vidéo sur le serveur. Bref, pour finir, je vous laisse avec une petite présentation, mais tout de suite après, je vous laisse avec le LP sur Krako avec beaucoup de PVP, de drop, de trap, etc. Donc bref, je vous laisse avec la petite présentation, c'est Kitkat et puis ben voilà, je vous retrouve dans quelques instants. Re les mecs, du coup on se retrouve pour une petite présentation de Vigoria. Du coup les mecs, comme d'hab, toutes les infos du serve sont dans la desk, donc leur site, leur Discord, leur Twitter, tout ça c'est dans la desk. Et puis si ça vous intéresse, leur ouverture c'est ce samedi à 15h, donc bref, allez-y. Sinon comme d'hab, je fais un petit concours, donc je fais gagner 500 PB à leur ouverture. Donc c'est très simple pour participer, faut seulement liker, s'abonner et puis commenter votre pseudo sur Vigoria. Et puis sinon vous écrivez le nom du serveur ben, dans votre commentaire. Le serveur ouvre leur V1, c'est leur, ben j'étais en première version du coup. Le serveur est quand même assez pas pire, je sais pas si je vais faire un tour avec ma fac, sincèrement. J'en ai aucune idée. Je verrai s'il fait quelques quintales d'ouverture, puis je passerai. En fait, ce qui nous intéresse surtout, puis ce qui va sûrement vous intéresser, c'est qu'il y a 200 euros de cash prize, donc c'est toujours intéressant à prendre. Comme sur tous les serveurs en basique, il y a un slash classement pour voir le classement. Bref, si ça vous intéresse, comme j'ai dit, toutes les infos sont dans la desk. Bref, on va commencer tout de suite par les nouveaux minerais. Donc, il y a premièrement le prénite, le sylvanite, le bornite, et puis le meilleur minerai qui est le virgonite. Désolé, c'est compliqué leur nom de minerai. C'est un petit peu le stuff légendaire. Le virgonite, sinon, il y a casse et bottes de farm qui donnent ben, tous les effets qu'il faut pour farmer. Ensuite, s'il y a deux trucs de nouveau à farm, il y a le raisin et les oranges. Les oranges se vendent au warp marchand. Les raisins se permettent avec ça que j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros dans la machine, ça, dans le fermenteur, ça permet de transformer le raisin plus ça en bouteille de vin qui vous donne tous les effets pour PVP. Donc quand vous pouvez ça, ça vous donne genre tous les effets pour PVP quoi. Ici un paquet de nouveaux items. Il y a premièrement la longue vue qui est une sorte de bon là, c'est un petit peu buggy, mais c'est un unclaimed finder, donc ça montre toute l'identité. Le hammer qui permet de miner, la multi-tool, ben voilà, tous les outils en même temps. Ici potion d'anti-chute et désinfectant qui permet une anti-debuff, en fait enlever tous les effets de potion négatifs, ben voilà. Et pas seulement poison, c'est, ils vont le modifier, mais en gros c'est lenteur, toutes les debuffs en fait. Ici il y a le coco qui donne feu à résistance, le free, c'est compliqué leur nom, free au free qui donne S2, et puis le sabre en fait qui est une épée légendaire du serveur. Ensuite bien sûr les bouteilles vides pour crafter les bouteilles de vin, et puis il y a la faux en fait qui permet de récolter les raisins etc en replantant automatiquement. Ensuite un truc assez cool sur le serveur, c'est qu'il y a une arène faction, donc en gros vous pourrez duel d'autres factions, donc c'est des 4v4 dans l'arène, fac contre fac, et puis par la suite je crois ça permet de duel en fait contre des points de classement, donc ça permet, ça va être un atout assez important à jouer pour le classement. Vous avez duel d'autres facs, donc s'il y a une fac que vous n'avez pas dans le chat, ben vous les proposez en duel, et puis du coup vous allez vous battre dans l'arène quoi. C'est pas le premier serveur qui font ça, mais perso je trouve ça assez cool, parce que du coup ça rajoute un petit peu plus de PP sur le serveur. Et puis sinon du coup moi j'ai déjà fait un petit peu le tour, donc je suis allé quand même assez vite pour la présentation, mais je veux pas tout vous montrer le serveur, donc bref, si le serveur vous intéresse, comme j'ai dit plusieurs fois au début, toutes les infos sont dans la desk. Donc moi je vous laisse maintenant, je vais vous laisser découvrir ça à l'ouverture, qui est ce samedi à 15h je vous rappelle. Donc du coup ben, je vous laisse venir sur le serveur, moi c'est Kitkat et je vous laisse avec le petit LP sur Krakozia. Du coup ben ciao ciao les jeunes. Et... C'est un crocodile ça? Oh, y'a la creepy là qui arrive. Hein. Ah non. Y'a Québec qui veut sauter. Mais Québec est pas dans la paix, Québec est devant moi. T'es pas illégal. Ah, mais y'a vraiment un mec à la paix? Ah, mais y'a vraiment un mec à la paix? Y'a un gars. F9! Pisse, 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 pisse.
perso. J'ai été payé 2-3 personnes. Non, il est n'importe. Il se fait perdre le con. Il est vraiment con. Il est vraiment trop con. Quelqu'un TP. Mais j'ai pas mis TP. Imaginez, il meurt. Imaginez, c'est un chat mort. C'est déjà poison, gros. T'as un attendez. Il va faire une autre comme l'autre fils de pute là. Bah oui, c'est sûr. Dis-moi, mon cul qui back pas, gros. C'est sûr à 100% il back. À moi, il y a les 0 PM. Il a eu la vidéo en plus, non? Fait quoi, wesh? Pourquoi il panique? Par contre, il me saute dessus, j'ai failli drop, hein, j'étais pas en record, mais j'ai failli drop, gros. Il panique là, chouchou. Il y a un full cargo, il est tout le temps à la paix parce que j'étais AFK. Puis du coup, je l'ai enfermé dans la deuxième partie pour on est 8 sur sa gueule. Il était plus quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il va drop, gros, il va drop. Attends, bouge, sors de lui, sors de lui. Il a peut-être plus perle là. En vrai, il me saute dessus pendant que j'étais AFK. Il pensait que j'étais un fricolet, j'avais mon sang sur moi. Non, il en est juste 6v8. Ah, si, faut pas que c'est ça, faut pas que son mate drop des perles, faut pas que son mate drop des perles. Faut que son mate essaye de back. Bah, son mate essaye de drop des perles, je pense, justement. J'arrête pas que son mate. Des perles. Il voit les drop, allez dans lui. Oh non, il y en a pas de drop encore. Mais son mate, il est pas grave back, il vient de fail. Lui, go. Il propose l'épée, t'inquiète, il propose l'épée, il prend plus de charge. Y'a vrai, il faut le cracou. J'ai réussi. J'ai le plastron. Attends, je vais sortir de la paix, vous autres, fightez l'autre. Non, Will. C'est encore l'autre. J'ai pas le talon. On va faire. C'est moi, je fais rien, oui, okay. Tu me l'as pas dit. Drapette, le draco. J'ai récupéré le pantalon. Attends, go kill l'autre. Et quelqu'un a eu le plastron ou c'est lui? Oui, c'est les bottes. Parfait. On a cru. Bougez, je m'en occupe. C'est bon. Non, il vient de retomber. Il est derrière vous. Ah, je me noie. What? Ah, il est là. Oui, tu peux rouvrir, à moins que t'as pas de bloc. Je vais rentrer dedans, comme ça. Mais gros, il me saute ici, il pensait. Attends, je vais Windows ça pour mon record, hein. Oui, on a tout récup, il y a Broke casque. En gros, il m'a jumpé dessus, il pensait que j'étais FK. Salut, ça va. J'étais vraiment FK, en fait. Oui, ça n'a aucun sens. GG un peu. C'est quoi cette merde? Ah, ça me fume. Aucun problème, du coup. La vie, je fais le pantalon. Il m'a presque drop, GG. Ah non, en fait, je vais pas dire ça. Go FM, go FM. Il me faut le pantalon, par contre. FCF, oui, lol. Allez, bon ben, GG un peu, monsieur, on va partager ce petit stuff là. Et puis, ben voilà, GG un peu, mon ami. Regarde-moi, c'est vous! Ok, pardon. Il est quand même fini de drop, c'est quand même drôle. Mais t'es pas à qui? N'importe qui. Moi, ça me rappelle. Les gars, c'est en train de sortir, par contre, je pense, ouais. Parce que sont. C'est juste oui, ils m'ont juste KB, mais faut juste faire le tour, puis rentrer dedans. Ouais, parce que je suis sorti, moi, je me suis fait déchirer la gueule. Ouais. Le fin est chaud. Ah, mais c'est Kane! Kane, il fait quoi? Ouais, je me c'est bon, j'ai pété. Je viens d'arriver, attends, je tape. Je peux même pas sortir, c'est bon. Je tape avec toi. Je les ai punch. Ouais, je galère des grandes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on fight. C'est bon. Ok, les gars, sortez pas. Ça arrive à mort là, gros. J'ai perdu un quart de ma dure. J'ai perdu un quart. Ils sont mauvais, hein. J'arrête en 1v1, gros, j'ai combo. Moi aussi. Pareil, sauf qu'il back à chaque fois, regarde-le. Ouais, il full back, il 6 de pute. Il retourne avec. En fait, je crois que je vais sortir la dague en fait, hein, pour pas qu'il back. Non, ils sont beaucoup trop, ils vont venir en 3v1, c'est tout. Faut sort pour faire broke la dura pour qu'il back. Ils sont venus l'aider. À 3, j'arrive pas. J'ai punch. Vas-y, il a pas me shit, full punch moi cette merde. Sors pas Alix, sors surtout pas. Non, Alix revient. Non, Alix. Ouais, sors pas. Zygom aussi, hein. Ouais. Oh, ouais, non, moi j'ai pas. Oh, lui il est mort. Il est mort. Il a PC. J'ai eu le PC. Vous avez drop 1? Il a PC, Interlax. Vico? Dash, vous l'avez vu? Vous avez drop un Vico, hein? Ouais, un Vico. Parfait. Mais ils vont peut-être revenir sur. Underax. Il a PC, lui. Ouais, il est en cooldown. Il va chercher des effets. C'est une belle petite poison, ça. Y'a pas quelqu'un qui veut m'aider, c'est avec sur Strafe là, il me casse les couilles. Mais lâche-le, en fait, on est même pas, je venais, là, j'arrive, mais on est même pas censé les fighter. Bah, c'est toi, c'est lui qui se fight là, mais. Mais en fait, imagine, il m'a faux, qu'est-ce que je suis en train de me reprimer. Wow! Mais regarde ce qu'il prend. Il pomme cheat, allez hop, tout le monde est royaume de pomme cheat, serveur là. Oh non, il m'a KB. Ouais, c'est la vie de ma mère. Y'a un casement, pas de sable. Ouais, y'a aucun sable, puis toi, t'en es faux, sable. Il est avec, donc. Il est pas une part. En fait, faut juste aller les teamfights en fait. Ouais, oh ouais, t'inquiète. Faut venir cette année, on les tient en masse en teamfight. Bah oui. Ok, les gars, y'en a 7 qui me. Capé le KTH, y'en a 7 qui me suit.
J'ai deux charges, me heal pas, je fais comme si j'avais plus de deal, j'ai full punch. J'ai qu'une régène, ils sont... Non, ils sont pas 705 sur moi, que 5. Non, j'ai pas besoin d'aide. Ah. Non, je fais comme j'ai plus de deal en fait, ils sont à 100% et j'ai plus de deal. J'avais deux charges puis je me pomme doré. Ils sont en train de me full chase. Ah, ils sont juste rendus 4 là, ils sont... Ouais, ils me lâchent un peu. C'est à qui que je peux me TP là pour revenir là-bas? Allez, à l'event, c'est 4. Ah, non, ils sont toujours 5, ils me full focus. Ils pensent que j'ai plus de deal donc... Ben moi j'ai deux cœurs depuis tantôt, mais là ils sont plus 3, là ils sont plus 3. T'es où? Non, 4, 5, ils sont encore 5, ils sont juste mauvais au punch, ils sont encore 5. Oula. Ah. On est... Soit, on dirait limite ils sont plus que nous là. Ben non, c'est impossible, ils sont 5 sur moi, c'est 5 Vico gang hein. Ouais, c'est bizarre. Ah, y'a la Yonko qui est là. Non, les... Okay. Nous autres on les filme pas depuis tantôt. Ouais, je sais, y'a la Yonko avec nous. Ah, c'est un ovni, what the fuck. Mais c'est pas que vous protégez Will. Oui, mais on devrait protéger Will. Il a pesté avec Candice, il a pesté. C'est bon, je t'ai pris là. 40 secondes les boys hein. Ah, ils reviennent au mid, ils reviennent au mid. Okay, oh, oh, j'esquive. Oh. Attends, on essaie. Ils vont revenir en masse hein. Non, ils sont encore 5 sur moi, ils me full focus. Ouais, 30 secondes. Ils me laissent pas mal gros, ils sont cons. Oh, je viens de dormir. Ça arrive sur toi, Will. Bah, fais une barrière. Non, ils sont encore focus. C'est bon, il y a un mec qui est passé. 20 secondes. J'ai full bait gros. Ils sont juste 3, ils sont juste 3 par contre sur moi. Ils m'ont lâché, ils m'ont lâché. Ils viennent me lâcher. Je tank pour toi. Will, t'es 10 secondes, Will. On tank. Stacké. Mec derrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non, pas nécessairement. 0. Là, c'est win. Maintenant, c'est win.